Eh bien, salut, donc là, on se retrouve sur Destiny 2, donc pour la dernière quête exotique au niveau de la saison 11. Ouais, c'est ça, donc au niveau de la saison 11, donc ça s'appelle Exode Évacuation. Alors, ce qui va se passer dans cette petite étape, donc avec l'élu du voyageur, il y a à peu près 22 étapes. Donc là, la première, la deuxième étape, c'est aller directement, donc, dans le cercle des ossements. Donc, je vais tout vous détailler donc en commentaire. J'essaie de tout vous détailler. J'espère que j'aurai la place. Donc là ici, il faut ouvrir donc à chaque coup les coffres. De toute façon, ils vous le diront, ça, vous inquiétez pas. Ils vont vous dire donc à chaque coup d'ouvrir les coffres. Après dans cette étape, il y a le pyramidion. Donc par contre, toutes les étapes sont en 750. Vous n'êtes pas obligé de la faire en maximum. Ça sert à rien. 750, ça va aussi. Donc au niveau déjà du pyramidion, faudra récupérer donc des traces d'analyse. Donc faudra éliminer des vets, toujours. Après vous avez invité inattendu un épique à faire. Après vous retournez voir Archer. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez Sloane. Vous devez faire un nettoyage de pont. Donc faut éliminer des chevaliers de la ruche au niveau du secteur oublié de l'évacuation de méthane. Après donc vous allez à l'observatoire des sirènes, bien sûr. Donc après vous avez donc celui-là, donc s'appelle le Solarium. Donc vous verrez quand vous débarquez dans le Solarium, il y a trois chevaliers. Le premier se trouve au milieu et le deuxième et le suivant se trouve au hall de la purulence. Donc pareil, c'est des ogres. Donc un chevalier et deux ogres. Fort non, ça va. Après donc une fois que vous avez fait ça, donc il faut faire le chant de Savatoun. Donc il faut éliminer des ogres, des prêtresses et des chevaliers. Alors en ogre, les gros jaunes ne comptent pas. Donc c'est que des petits. Et donc ça sera 25 fragments de la technologie. Après donc à l'étape 10, donc vous devez retourner voir Sloane. Après vous avez Zavala. Allez, on va voir. Après donc il faut faire Mercure, donc ça va être Frère Vance. Donc là par contre il y a pas mal d'aventures épiques à faire et il me semble un assaut. Donc déjà vous faites l'assaut à monde fertile pour éliminer les aigres, les minotaures et les cyclopes. Donc il faudra 15 fractures de la ligne temporelle. Après il faut faire l'arbre de la probabilité, donc là il faut tuer 40 cabales. À bête d'un système, donc après vous êtes déjà à l'étape 16. Donc il faut aller retourner voir. Retourner voir Frère Ross. Après donc vous avez Mars, donc faut aller directement voir Anabré. Donc pareil, il y a deux trois trucs à faire. Donc là vous avez directement l'étape 18, donc à faire l'activateur. Donc l'activateur c'est dans la zone quand vous allez donc directement à Rasputin, c'est la première zone après le tunnel. Donc vous verrez, il y a l'espèce de grosse boule. Il y a le carré, bah vous allez donc au carré. Donc, nous on avait un petit peu merdé, donc vous allez au carré. Et une fois que vous êtes au carré, donc vous verrez en haut. Faut pas descendre, faut pas sauter en bas. Il faut aller en face, donc vous avez une petite trappe. Donc vous allez à cette petite trappe et ça sera bon. Donc une fois que vous avez fait ça, donc, après il vous restera encore du protocole donc à faire. Donc il faut éliminer 5 boss. Donc, à la vague numéro 4, oui, à la vague 4, c'est bon, vous avez fini. Après, il faut faire vibration mortelle en épique, donc pour faire les interférences de la ruche. Retourner voir Anna, et donc du coup, après, il faut aller voir Zavala, et puis c'est bon. Donc, vous avez vos étapes à faire. Tout sera détaillé donc en description, donc n'hésitez pas à commenter si ça vous a plu ou ça. Donc nous, la mission, la quête exotique, on l'a fait à peu près en 1h50. Donc on a commencé à 9h30, on a fini à 11h20 à peu près. Voilà, à peu près 11h20. Alors moi, l'élu du voyageur, j'ai lu en 1053. Peut-être pas encore cette semaine ni la semaine prochaine, je sais pas encore. Donc nous, on a fait le vendredi 11, hein, bien sûr. Donc là, quand je fais l'enregistrement, on est le lendemain.
Donc la vidéo, j'espère que j'arriverai à la sortir dans la semaine. Donc dans la semaine qui suit, je vais essayer de vous la sortir. Donc on verra. On verra comment ça se goupira. Donc dans la globalité, hein, la plupart des têtes, comme je vous ai dit, c'est vraiment que du 750. Hein, mais il ne faut pas faire du 1000 ou du 1080, ça sert strictement à rien. L'âme ne sera pas plus haute, hein, vous inquiétez pas. De toute façon, si vous êtes 1060, elle sera 1050 à peu près. Donc ça changera pas. Voilà. Bah, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc pareil pour des petits conseils. Donc moi du coup, bah, je vous retrouve à partir du mois de novembre. Allez, tchuss.